monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu en titre, on ne se retrouve pas pour un vlog comme tous les mercredis normalement. Je vais juste vous faire un haul course parce que je rends des courses et que je voulais vous montrer absolument parce qu'il y a de très bonnes affaires à faire en ce moment à Carrefour et ça va être comme ça pendant 4 semaines il me semble, 3 ou 4 semaines. Donc voilà, je pense que chaque semaine je vous ferai un petit haul course, ça sera très rapide. La semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir un vlog. Cette semaine, il n'y en a pas. Parce que tout simplement je n'ai pas filmé ce week-end, comme je vous l'ai dit je relâche un petit peu la charge de travail que j'ai. Et du coup voilà, donc ce week-end je n'ai pas filmé, j'avais pas de vidéo à monter pour mercredi, voilà j'ai été beaucoup plus tranquille. Et voilà, donc je vous fais quand même un petit haul course parce que je voulais vous montrer mes achats. Et puis en même temps ça fera une petite vidéo à regarder mercredi. Je suis désolée pour ceux que ça n'intéresse pas mes haul course, mais voilà je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien donc voilà. Et comme je vous l'ai dit c'est vraiment du super bon plan. Je vais vous dire à la fin combien ça m'a coûté, ça risque de vous étonner. Donc... Alors j'ai pris des pommes de terre, des patates douces, donc les patates douces c'était pas cher, c'était 1€ le kilo, du coup là j'ai un peu plus d'un kilo, ça m'a coûté 1,35€. Les pizzas, alors de tête, je vais vous dire à peu près les prix mais bon c'est plutôt sur l'ensemble, hein. Vous regarderez sur internet le catalogue de Carrefour actuellement, c'est l'anniversaire et du coup comme je vous l'ai dit tout le mois vous aurez des prix beaucoup plus intéressants. Alors c'est souvent des remises sur la carte, moi personnellement ça ne m'embête pas parce que j'ai mon budget course et du coup je tourne sur mon budget course et enfin voilà, que ça soit sur la carte ou qu'ils me le remboursent directement ça fait pas une grosse différence. Alors donc j'ai pris des pizzas Buitoni, donc c'était le lot de deux, elles étaient à peu près à moins de 5€, donc ça m'a coûté 2€, enfin au final ça m'a coûté 2,50€ parce que j'ai eu 2,50€ sur la carte. Là c'est 30 pains au lait de la marque Pasquier, pareil normalement c'était 3€ et on avait la moitié sur la carte donc ça revenait à 1,50€. Ça j'ai eu gratuit, vous savez avec mon application je teste les produits, donc c'est des barres à l'avoine et au miel, je vais tester. Ça c'est du riz, bon, il n'y a pas de promo spéciale dessus. De la soupe 8 légumes à la crème fraîche, donc de Liebig, celle-ci c'était moins 70% je crois sur la carte. Ça me, je crois que ça m'est revenu à 1,50€ les deux briques, donc pas cher non plus. Ensuite, les pâtes, pareil, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était moins 70% sur la carte. Donc les 3 paquets de coquillettes, ça revenait aux alentours des 1€. Les paquets de jambon, donc le tranché fin dégustation, je ne me rappelle plus exactement, mais pareil, c'était moins 70% sur la carte. Alors ça, je sais pas, ça c'était une erreur à mon avis, donc je l'ai pris. C'est un paquet de saucisses qui coûte moins d'1€. Il était à moins d'1€ pour date courte, mais la date elle est pas courte. Donc je pense qu'ils se sont trompés. Bon, c'est pas grave, Aaron il adore les saucisses Strasbourg, donc ça, il va être content. Ça c'était moins 70% sur la carte, donc ça coûtait 7€ et quelques, il y en avait presque 5€ sur la carte, donc ça coûte aux alentours des 2€. Ensuite ça, c'était pas sur le catalogue, mais je pense que dans tous les Carrefour ils font ça pour les dates courtes. Ils font des lots de 2 produits. Du coup c'est quand même intéressant, donc là j'ai payé 4,25€ les 4. Il y a de l'eau de steak haché façon bouchère de Charal, qui sont l'air très très bons. Alors les Activia par contre c'était une remise immédiate, ça coûtait moins de 2€, c'était 1,60€ ou 1,90€. Les du coup 16 pots à vanille ou nature, il y avait, moi j'ai pris 2 paquets à la vanille. Donc ça le beurre, la mayonnaise et la crème fraîche c'est le prix habituel. Les petits bâtons de crêpes comme ça, Aaron il adore, ils étaient à moins 60% sur la carte, donc pareil ça coûte assez cher, les deux blocs là ça coûtait 6 ou 7€, et du coup là j'avais presque 5€ sur la carte, donc ça me coûtait aux alentours des 2€ le lot. Ici c'est des cordons bleus que j'achète très souvent de la marque Maître Coq, là vous avez 2 kilos, donc normalement chaque paquet coûte 6€, enfin, 1 kilo ça coûte 6€, je les prends tout le temps donc je le sais. Là c'était 10€. Le lot de 2 ou 11€, quelque chose comme ça. Et il y avait, pareil, moins 70% sur la carte fidélité. Ou moins 50. Non, c'était moins 50. Moins 50. Mais bon, ça faisait 5€, en gros, les 2 kilos de cordon bleu. Voilà. Alors, les tablettes pour la vaisselle. Pareil, c'était 70% sur la carte fidélité. Donc, ça coûte aux alentours des 6-7€. Et on avait 4-5€ sur la carte. Et là, les canettes d'Oasis Tropical, je les ai eues pareil avec l'application. Je teste mon avis Laurent gratuite dont je vous ai déjà parlé, qui fonctionne uniquement avec les magasins Carrefour. Donc là, c'est tout ce qui est course. En gros, si je retire la réduction que j'ai eue sur ma carte fidélité, j'ai eu tout ça pour 40€. Donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Et ensuite, alors j'ai acheté pour le bébé donc des lingettes, bon ça c'est pour le débarbouiller, du coton pour nettoyer les fesses, de la colle pour Kayla pour l'école, parce que bon ils m'en ont pas demandé mais je pense qu'elle va en avoir besoin d'autres. Ensuite, deux shampoings et deux après-shampoings Elsève, alors c'est des nouveaux, c'est les shampoings à l'huile fine de coco, ça avait l'air pas mal. C'était 5€ le lot dans les deux cas et vous aviez 50% sur la carte fidélité, donc au final ça m'a coûté 5€ tout ça.
Alors j'ai pris ça et dans la voiture, je ne l'ai pas monté, mais j'ai un paquet de Max, de Gigapack de Pampers où j'ai presque 110 couches de la taille de Aaron. Pareil, le pack de couches coûtait 33 euros, aux alentours des 33 euros, et il y avait 70% sur la carte. Du coup, le paquet de couches revenait à 12 euros. Voilà, donc c'est vraiment vraiment pas cher. Donc en gros, les couches et les affaires un peu bébé et puis voilà, les trucs pour les cheveux, j'en ai eu pour 20, enfin aux alentours des 20 euros. Entre 20 et 25, et là j'en ai eu en tour de 35-40 euros de course. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien du catalogue pour vous éviter de fouiller. Hein. C'est pas du tout un partenariat à Carrefour, et ils me connaissent pas, savent pas que j'existe malheureusement. Mais voilà, je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Vraiment, allez jeter un coup d'œil pour les courses. Là, ça va être le mois où c'est très intéressant d'aller au magasin. Carrefour, même si en règle générale vous n'y allez pas forcément, moi vous le savez, je vais tout le temps faire mes courses là-bas parce qu'ils sont pas loin et que je trouve qu'ils ont quand même des bonnes promotions. Et puis comme je vous l'ai dit, avec l'application Mon Avis le rend gratuit, j'ai tout le temps des produits offerts, donc c'est quand même sympa. Mais là, même si vous n'y allez pas en règle générale, jetez un coup d'œil au catalogue, il y a de bonnes petites affaires. Donc voilà, c'est tout pour les courses. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur mon dernier vlog quand je vous ai parlé de mon malaise. Vous avez été adorable en me disant mais laisse la YouTube, repose-toi, profite de te reposer quoi. Et bien sûr qu'on te comprend et voilà, et vous avez tout été adorable à me demander de mes nouvelles et tout ça. Je vais très bien, j'ai pas eu de mal, j'ai pas eu de nouveau malaise, je suis encore fatiguée et en plus j'ai chopé un beau rhume, j'ai bien mal à la gorge, j'ai bien mal à la tête. Je pense que ça va passer, mais bon voilà, sinon à part ça, ça va très bien. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à liker, partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Cliquez aussi sur l'étoile de la cloche si vous voulez voir toutes les notifications en fait quand je mets une nouvelle vidéo, parce que il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas les notifications en fait quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'est sûrement parce que cette petite cloche n'est pas activée, donc pensez-y. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.